Rien à temps. Ok. Voilà. Ciao Pavel. En français. Ok, pas de souci. Ah bah Pavel, déjà dites-nous comment ça va, comment s'est passée cette première semaine de Giro. Ah plutôt pas mal. Une bonne semaine pour l'équipe, pour moi. À part la première journée où j'ai eu des sensations vraiment moyennes. Ça va bien. Une belle semaine. Pas trop compliqué, je dirais. Les étapes ont été quand même assez faciles, mais c'est maintenant qu'aujourd'hui que les choses sérieuses vont commencer. Et justement, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Il y a beaucoup de scénarios possibles. On se demande vraiment qu'est-ce qui peut se passer selon vous. Je pense que ça peut être un feu d'artifice dès le départ. Le parcours s'y prête en tout cas. Tout va dépendre de qui voudra aller dans l'échappée, si Bora va essayer de renverser, on va dire, de prendre le contrôle du maillot rose. Si Trek vont contrôler, il y a beaucoup de scénarios possibles et je pense que ça va être une belle journée. Est-ce que pour vous et chez Ineos, il y a un petit coup à faire en mettant un coureur comme vous dans l'échappée pendant que Richard attend ses clients entre temps? Ouais, après ça m'étonnerait qu'on me laisse partir. Je pense que les autres équipes ne vont pas me laisser partir. Je suis quand même pas trop loin en général, donc. Non, pour nous, c'est comme on a dit dès le départ, ça sera pour Richard. Même aujourd'hui, c'est une belle journée pour lui. Je pense qu'il y a plus à faire en fait, à essayer de prendre quelques secondes au classement général que pour moi d'aller dans l'échappée. Ah, vous pensez qu'aujourd'hui, on peut déjà avoir une bataille pour le général? Je veux dire, l'étape est dure, mais on pense surtout à l'échappée aujourd'hui. Vous pensez qu'une bataille au général est possible aujourd'hui? Également, ouais, je pense qu'il y a moyen de faire quelques écarts. Le final. Avec la fatigue accumulée au fil de la journée, je pense qu'il y a, quelques petits radars dans le final. Ce ne sera pas des très gros écarts, mais par exemple, si on veut, les favoris se jouent la victoire d'étape, il y a moyen de prendre une petite dizaine de secondes sur un écart, plus les bonifications. Ce ne sera pas des gros écarts, mais déjà peut-être établir, on va dire, un peu de confiance pour les leaders ou quelqu'un qui va douter peut-être un petit peu après aujourd'hui. Merci Pavel, bonne course, bonne chance.